Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Donc, on doit vérifier les mails. Donc, comme une autre version de l'alcoolisme, comme une version. Donc, je vois, elle fait 8 pages. Elle fait 4 pages. Donc, on doit vérifier la boîte mail. Donc, on était la dernière fois, on a fait l'exercice. C'était quoi? C'était l'exercice 6. Regarde comment. Donc, c'est ça. Donc, on était fait l'exercice 6. Donc, on a fait la question 1. Michel est là. Monsieur, Oui, monsieur. Très bien. je vais narrer le W. Voilà. Donc, je répète rapidement ce qu'on avait fait. Donc, on a belli une méthode de point fixe, xk plus 1 égale phi de xk. Elle est au moins d'ordre k. Si toutes ces dérivées avant k, c'est-à-dire dérivée première, dérivée deuxième, cette dérivée km moins 1 était nulle. En plus, elle est d'ordre k si la dérivée km est différente de 0. Par exemple, quand k, la dérivée première égale à 0, la dérivée seconde égale à 0, la dérivée troisième différente de 0, ça veut dire qu'elle est d'ordre 3. On va atteindre alpha ou la racine de l'équation f de x égale à 0 avec f de x égale x3 moins 2. Attends, on a la méthode, donc attends, on a le phi, fait un paramètre W. On a pour quelle valeur de W le 0 de F est un point fixe de phi. Donc, on a démarré de ça. Donc, de démarrer là, phi de alpha est égal à alpha. Donc, on a F de alpha égale à 0. Donc, on a W en facteur. On va dire alpha 3 moins 2 en facteur. On va dire donc alpha 3 moins 2 fois tout ça est égal à 0. Donc, si on alpha 3 moins 2 égale à 0, c'est-à-dire f de alpha égale à 0, on va dire qu'on est différent de 0. On va dire w qu'on est différent de 3 alpha carré sur 3 alpha carré plus 1. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui ou non? Oui, monsieur. Très bien. Donc, le corriger, j'ai refait la même chose. Ça doit être l'exercice 4. L'exercice 6, voilà. Donc, j'ai refait la même chose. Donc, il y a des démarrages, phi de alpha. Je ne sais pas, est-ce qu'on dit une poubelle en plus? Voilà. Donc, j'ai démarré de phi de alpha est égal à alpha. Pour que je fasse f de alpha égale à 0. Donc, on a la même chose. Donc, on a ouzat, alpha hada man alpha hada error. On a rien short. Après, donc, je fais alpha 3 moins 2 en facteur. Je fais alpha 3 moins 2 fois tout ça égale à 0. Donc, on a dit ça donne alpha 3 moins 2 si on a la quantité. Ça 1 moins W sur 3 alpha carré était différent de 0. Donc, il y a qu'un seul différent de 0. Je vais avoir alpha 3 moins 2 égale à 0. Je vais avoir f de alpha égale à 0. Et donc, alpha, le point fixe de phi, voit la solution, la racine de f. À condition que la quantité des phi W soit différente de 0. Alors, on va dire inshallah. Ça y est. Les W.
صحيح خاصه يكون ديفيرون باش يكون هادي ديفيرون دو 0 خاص دو دبليو في يكون ديفيرون دو 3 الفا كاري سور 3 الفا كاري بلس 1. اسكو تو الموند داكور جوسكو لا؟ وي مسيو. صح هذه اللي فواسم قلنا واش قلت لكم ديروا قلت لكم باللي هنا لو 3 الفا كاري كي اون كونتيتي بوزيتيف وهنا 3 الفا كاري سي اون كونتيتي بوزيتيف ومن بعد قلنا باللي 3 الفا كاري اي بلو بتي كو 3 الفا كاري بلس 1 دونك هادي جو سي با اسكو مازال كاتبها وا دونك هي دي 3 الفا كاري اي بلو بتي كو 3 الفا كاري بلس 1 سا فو دير كو 3 الفا كاري سور 3 الفا كاري بلس 1 اي كومبري اونتر 0 اي 1 دونك حنا باش دبليو في ميكونش يساوي هاد القيمه بيسكو لو الفا هذا بيسكو لو الفا ايت ان انكوني دونك هاد لا فالور جو بو با لا كونيتر باسكو جو كوني با الفا باسكو اصلا لو بوت تاع ليكزارسيس سي دو كونيتر الفا دونك بيسكو على بالي بلي 3 الفا كاري سور 3 الفا كاري بلس 1 اي كومبري دون لانترفال 0 1 واش ندير لو دبليو ما نديرش في لانترفال 0 صحيح كوم سا جو سوي سور كو Ça marche. Est-ce que le point est clair? Oui ou non? Ça, monsieur. Quoi? Il y a qui m'a dit le W, il y a qui m'a dit l'alpha. Yak. Quoi? Alors que le cadre de la question de la W, mais il y a un le 0, un, parce que je redoute directement le alpha. L'alpha en intervalle. Voilà, mais out le corriger, donc je vais vous dire qu'est-ce que j'ai changé pour le corriger. Pour le corriger, c'est M'chit n'chouf, le alpha, il appartient à quel intervalle? Donc, on a le belli belli. Quand je prends fx, donc fx, ça dit. Fx, ça dit. Fx, il y a x3 moins 2. Ça y est? On a une housse à la racine, c'est x3 moins 2. دونك واش درت شفت بلي اف دو 1 فوا اف دو 2 اي نيجاتيف و اف بريم دو اكس هي 3 اكس كاري بوزيتيف سا فو دير كوا سا فو دير كو دابري لو تيرم دو فالور انترميديير لو الفا تاعي لابارتي ان انترفال 1 2 اسكو زيد داكور وي وي دروك Je vais étudier la fonction Hadi, 3 alpha carré sur 3 alpha carré plus 1. Je vais l'étudier sur l'intervalle 1, 2. Ou Hadouk les valeurs, même des hommes chez W. Ça va faire une meilleure estimation de W. Donc, Hadouk la fonction Smitha H de alpha, Hadi, 3 alpha carré sur 3 alpha carré plus 1, Smitha H de alpha. Donc, H de x, il y a 3x carré plus 3x, sur 3x carré plus 1. La dérivée Hadi hier. Et on va étudier H sur 1, 2. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé Benny Hadi, parce que non. Eh, non, mais parce que là, le 6x, 3x carré, c'est 18x3, mais 18x3 erreur. Tu prends les 6x sur 3x carré plus 1 le tout au carré. Hadi, la dérivée, tchat, elle est positive, ou il faut qu'elle est positive, parce que je suis sur l'intervalle 1, 2. Donc, la dérivée est positive. Donc, la fonction h de 1 vers h de 2. Qui est h de 1, ça atteint 3 sur 4. Ou h de 2, ça atteint 12 sur 13. Donc, w, oui, le machin sachikoun. Machin sachikoun, fait de majel. 3 sur 4, 12 sur 13. Ça y est? Parce que le alpha qui est déplacé bien 1 ou 2, le h est déplacé bien 3 sur 4 ou 12 sur 13. Est-ce que la méthode est claire? Oui. Très bien. Donc, c'est bon. Donc, si je me sers le W de la méthode, je vais dériver l'intervalle 3 sur 4, 12 sur 13. Alors, nous faisons la deuxième question. La deuxième question, c'est Galouna. Donc, Galouna, pour quelle valeur de W, la méthode proposée est-elle d'ordre 2? Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que la méthode soit au moins d'ordre 2? De quoi se m'chasse? D'après la définition, elle dit ça à l'ordre. Chasse, monsieur, quel ordre 2, tu m'as la dérivée l'oula. Ou la dérivée l'oula de alpha, tu savais 0. Voilà. La dérivée 0 de alpha, tu savais 0. Là, mais si, cher, parce que Hawada, elle est au moins d'ordre K, si la dérivée jusqu'à K moins 1 est nulle.
راك معايا jusqu'à k moins 1 c'est-à-dire اللي قبلها donc elle est au moins d'ordre 2 c'est la dérivée شكون هي اللي تكون 0 première لا غير الاولى صحيح maintenant واش ما يقول لك راه يقول لك elle est d'ordre k si de plus la dérivée k est différente de 0 donc si en plus la dérivée seconde est différente de 0 ça veut dire qu'elle est d'ordre 2 est-ce que c'est clair ou pas donc هاي درنا كاتبينها في الاول voilà donc on a dit par exemple la dérivée première 0 la dérivée seconde 0 la dérivée troisième différente de 0 mais ça n'est de rang k donc باش تكون au moins d'ordre 2 qu'est-ce qu'il faut La première dérivée égale à 0, la deuxième différente de 0. Voilà. Donc, je suis au moins d'ordre 2. Face, rire la dérivée première, je suis 0. Après, si la dérivée seconde, si la dérivée seconde, est différent de 0. Dans ce cas, l'ordre, je hal. J'allais vous dire. 2. Oui, là, quand la dérivée seconde égale à 0, l'ordre, je hal, il est. Plus que 2. Plus que 2, c'est-à-dire au moins, je hal. Au moins 2. Là, au moins, au moins. À l'aqal. Au moins 3. Au moins 1. À l'aqal 3 donc qui compte la dérivée première égale à 0 l'ordre est au moins 2 qui compte la dérivée seconde différente de 0 l'ordre c'est exactement 2 ou qui compte égale à 0 on va voir la dérivée quatrième 3e je vais la dérivée 3e alors qu'est-ce que c'est différent de 0 Il a pris sa différence de 0, la dérivée troisième. Il a pris sa différence de 0. Ça veut dire que l'ordre, chal. 3. 3. Sinon, sinon, il a pris sa 0. Nous allons chauffer la dérivée. Quatrième. Oui, Arecha. Ça veut dire qu'est-ce que la dérivée seconde égale à 0? L'ordre est au moins 3. Alors, à quel plateau? كاين شي نحسب لا ديريفي تروازيام الى لقيتها ديفيرون معناتها لور سي سور 3 الى لقيتها ايكال 0 نروح نحسب لا ديريفي كاتريام وهي رايح اسكو سي كلا وي دونك كي قالوا لنا لورد خاصها يكون او موان 2 يسوفي دو كالكولي لا ديريفي بروميير خاصني نلقاها 0 صحيح دونك نعاود نروح نشوف دونك جي في لو ما قالكش او موان قال لك كيفاش D'ordre 2. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Donc, qu'est-ce qu'il faut? Donc, il y a deux conditions, puisque l'on est d'ordre 2. Donc, il y a deux conditions. Mais comment les deux conditions? La méthode. Phi prime de alpha égale à 0, phi 2 prime de alpha différent de 0. Voilà. Donc, puisque l'on a la méthode exactement d'ordre 2. Ça veut dire qu'il y a deux conditions. Loula, il faut que la dérivée première en alpha soit égale à 0. Ou Zaujé, il faut quoi? Phi 2' de alpha, mais différent de 0. Voilà. Donc il faut que la dérivée seconde maintenant adem. Parce que maintenant adem, il y a l'ordre qui est le zéro. Donc nous allons voir. Nous allons dire que phi 2' de alpha égale à 0. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai calculé. Donc, à quoi phi x, j'ai dérivé. Mais attention, on ne dérive pas par rapport à w. W, c'est un paramètre. On dérive par rapport à x. Donc, on a dit x fois une constante. Mais il y a 1 moins w3, ça tenait 1 moins w3. Plus x3 fois une constante, c'est pas 1 moins w. La dérivée de x3, c'est 3x carré. 2w moins 1 me fait acheter x. Donc, la dérivée de 1, c'est 0. 2w, tu relèges en facteur, tu prends les 1 sur, 2w sur 3, tu relèges. Tu prends les 1 sur x carré. 1 sur x carré, la dérivée de ça,
moins 1 sur x3. Donc, j'ai un moins w sur 2 sur 3 x3. Est-ce que c'est clair jusque-là? On va dire que c'est prime de alpha, donc je remplace le x par alpha. Donc, j'ai un. On va dire qu'est-ce que j'ai fait? Je vais mettre w en facteur. Donc, j'obtiens que phi prime de alpha, c'est 1 plus 3 alpha carré, moins w fois tout ça. Est-ce que le calcul est clair? Oui, monsieur. Très bien. W doit être pris de telle sorte que quoi? Qui va se faire W? Monsieur? Oui. Monsieur, je vais vous dire que vous avez un peu de temps. 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 Wow. وإذا كانت إيجالا زيرو نروح نشوف ولا ديري في كاتر كيف wow. نشوف ولا ديري في كاتر ولا ديري في طروار هات تساوي زيرو كيف؟ كيف نشوف قلت لي لا صبنا لا ديري في طروار لا طروار زين ديري في صبناها نول نروح نشوف ولا ديري في الرابعة wow. وكيف نشوف ولا ديري في الرابعة ولا طروار زين معها نول وين راه المشكل؟ راكم عاقلين على لوردر دو ميتيبليسيتي تاع لي راسين؟ وي كيش كنا نحسبوه لورد دو ميتيبليسيتي صادر هنا يشبه هنا مي هنا تبدي من بريم صادر انت واش كنا نديرو تحسب بي بريم دو الفا صحيح اذا لقيتها زيرو واش مدير نروحو للدوزيام دوزيام اذا لقيتها زيرو واش مدير نزيد نشوف لا تروازيام تروح للتروازيام فوالا اذا لقيت التروازيام زيرو واش مدير تروح لا ديري في اول 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 اوردر ولا اول بويسونس هنا ما تنعدمش فيها هو لوردر باغ اكزومبل تكملت لا ديري في 5ام لقيتها ديفيرون دو زيرو هاد 5 هو لوردر دو لا ميثود كيشغل كما لو دو ميتيبليسيتي تاع لي بولينوم c'est la même chose. La seule différence, c'est que nous avons maintenant phi de alpha égale à 0. On n'a pas ça. Donc, là, on a phi prime de alpha égale à 0. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui. Alors, nous avons le lieu. Oui, nous avons. Donc, tout comme nous, W doit vérifier quoi? Nous. هذه في بريم دو الفا دو اتر ايغال ا كو باش يكون لا ميثود دوندر دو ايغال ا زيرو ايغال ا زيرو دونك دبليو في شحال خاصها يكون يساوي زيرو لا ماشي زيرو كون يكون دبليو في هذا يساوي زيرو W prime de alpha, je sais tu sais oui. W plus 3 alpha au carré. Phi prime de alpha. Donc phi prime de alpha, ça se compte 0. Donc W, je sais que ça y connu ça oui. 1. Hadi, hadi. Hadi, il y a phi prime de alpha. C'est connu ça oui, 3 alpha, moins 3 alpha au carré, moins 0. لا شو تبعوني مليح اسكو زاد داكور بلي هذه كاع هي في بريم دو الفا وي هذه شحال خاصها تكون تساوي زيرو زيرو صافي دير كو دبليو خاصها يكون يساوي هاد لا كونتيتي باسكو غادي تروح منه 3 1 بلس 3 الفا او كاري شي بلس ديفيزي بار هادي كي جور عندك
راه عندك a موان wb ايكال ا زيرو. دونك w شحال؟ a سيغ في. نو تولي لك wb ايكال ا a. سافا دير كو w ايت ايكال ا ايت ايكال ا a سيغ في. Donc A sur B c'est quoi? C'est Hadi divisé par tout ça. Donc j'ai 3 alpha 3 Hadi là fois 1 plus 3 alpha carré sur alpha 3 plus 9 alpha 5 plus 4. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Donc qui va effacer? Voilà. Donc, Hayadi, donc, race 1 plus 3 alpha carré moins W fois tout ça est égal à 0. Donc, W, c'est quoi? Hadi J de l'autre côté. J n'est 1 plus 3 alpha carré, Hadi Tniglib, fois 3 alpha 3 sur alpha 3 plus 9 alpha 5 plus 4. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ça. On va dire ce que vous rien à l'alpha 3, je suis un facteur. Je tenais alpha 3 fois 1 plus 9 alpha carré plus 4. On va devoir se me dire, parce que l'alpha, je ne le connais pas. Donc, je ne peux pas connaître de la valeur. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais utiliser le fait que alpha est une racine de f. Maintenant, alpha 3 moins 2 égale à 0. Ça veut dire que alpha 3 égale à 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est la même. Donc, c'est la même. Et là, le alpha 3, je le remplace par 2. Parce qu'on a dit alpha 3 moins 2 égale à 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ah. Donc, là, alpha 3, je le remplace par 2. J'ai tenu 3 fois 2, il y a 6, fois 1 plus 3 alpha carré. Vous le savez, alpha 3, je le remplace par 2. J'ai tenu 2 fois 1 plus 9 alpha carré plus 4. Donc, on a qu'une charosme, j'ai tenu 18 alpha 2 plus 6. Ou le 18 alpha 2 plus 2 plus 4, il y a plus 6. Donc à la fin, le W est égal à quoi? 1. À 1. Donc, Bishkun Hadi, phi prime de alpha, Bishkun égal à 0, il faut que le W soit égal à 1. 1. Donc, Bishkun, la méthode au moins d'ordre 2, il faut que le W soit égal à. Donc, on a les 4, mais les 4 est d'ordre 2, les 4 au moins d'ordre 2. Alors, les 4 au moins d'ordre 2, parce que Mazel Massif, je l'ai dérivé seconde. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, monsieur? Oui. Quand on a fait le fou, on a fait le W de l'alpha. On a fait le alpha puissance 3 de 2. Juste le fou. C'est incomplet, mais c'est la note complète. بصح انا كيما يقولوا هنا ما راش يقولنا باللي زعما جبدوا لي دبليو هذا يساوي نيميرو شكون حنا في لي زيكزام امبوسيبل تاعنا في راسنا صبرنا عاودوا نقراو لا كيسيون قال لك بوغ كيل فالور دونك خاصك تعطي لا قيم تعطيها علاش بالالفا داكور ماشي دا طيب اروين كنا واه donc maintenant je vais calculer je vais calculer quoi exactement d'ordre 2 je vais calculer quoi la deuxième dérivée voilà donc je vais calculer la deuxième dérivée mais non la deuxième dérivée je vais calculer le W parce que là je vais calculer d'ordre 2 il faut que les deux conditions soient vérifiées. Donc, pour atteindre la première condition, il faut que W est égal à 1. Donc, pour atteindre la deuxième, donc là, directement W est égal à 1. Parce que quand tu atteins la deuxième, ou l'oula, tu es d'ordre 2. Et puisque le seul W est atteint la première condition, W est égal à 1, qui génère la dérivée seconde, je remplace par W par 1. Sinon, ça n'a pas de sens. Et donc, quand je remplace le W par 1, le phi prime de X, si vous voulez, Hagda, parce que phi prime de X, phi prime de alpha, c'est quoi? Ou la phi prime de X. Voilà, phi prime de X, c'est donc, je remplace le W par 1. Donc, j'ai 1 moins 1 sur 3, c'est 2 sur 3. Hada 1 moins 1, Hada erreur. Ou Hada W est remplacé par 1. Donc, j'ai 2 sur 3 moins 4 sur 3, X3. Donc, Hada. 2 sur 3 moins 4 sur 3, x3. Et donc, la dérivée seconde, c'est quoi?
Donc, 2 sur 3, c'est une constante 3. 4 sur 3, moins 4 sur 3, je joue en facteur. Et je dérive 1 sur x3. Ça va me donner, à la fin, ça va me donner 4 sur x4. Et donc, la dérivée seconde en point alpha, c'est 4 sur alpha 4. Alors, pourquoi Hadi, la dérivée seconde, phi seconde de alpha, pourquoi elle est différente de 0? Alpha a bin 1 ou 2. Voilà, parce que le alpha bin 1 ou 2, donc la quantité Hadi, elle ne s'annule jamais. Donc, j'ai trouvé que la dérivée seconde était différente de 0. Donc, la méthode, elle est d'ordre combien? 2. Ça y est? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, la dernière question, Galouna, est-ce que cette méthode peut-elle être d'ordre supérieur à 2? Donc, je compte d'un ordre supérieur à 2. Qu'est-ce qu'il faut? La dérivée troisième. Avant, mais c'est la dérivée troisième. C'est la dérivée seconde. La dérivée deuxième. Oui, deuxième, tout égale à 0. Voilà, donc il faut que la dérivée seconde en alpha soit égale à 0. Mais dans la dérivée seconde, je vais faire 4 sur alpha à la puissance 4. 4 sur alpha 4. Est-ce que Hadi, elle peut valoir 0? Non. Non. Donc, puisque Hadi ne peut pas valoir 0, maintenant la dérivée seconde, mais quand je dis W, donc il n'y a pas. Donc, il n'y a pas. W dans R. L'effet 9 seul words. La dérivée première t'n'adam ou la dérivée seconde t'n'adam en même temps. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que le seul W li adam li hadi ou 1. Ou qui a W 1 non, ma kharjitch 0. Donc ma kach li W li adam li à la fois la dérivée première et la dérivée seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la méthode elle ne peut pas être de rang supérieur à 2. Est-ce que c'est clair ou pas? Ça y est, donc elle dit elle ne peut pas être d'ordre supérieur à 2 parce que la dérivée seconde ne peut pas s'annuler. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, monsieur. Oui. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Monsieur, je voudrais te dire que c'est grave mal ou le kibrit n'a pas l'intervalle 1-2. Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'intervalle 1-2, c'est la solution. Ouais. Je vais te dire maintenant. Je vais la question 1. Tu veux la question 1? La première question, je ne sais pas. Tu as double verre ou double dita, Heidi. Je vais te dire non. حنا واش قالوا لنا؟ قالوا لنا باللي عندك في الاول ديماري منه لا ميثود دو بوين فيكس سي كوا لا ميثود دو بوين فيكس قلع من اف دو اكس ايكال 0 صحيح خاصك تكتبها من الشكل اكس ايكال في دو اكس ولا ماشي اف دو اكس ايكال 0 اف دو الفا ايكال 0 خاصها تحقق الفا ايكال في دو الفا هذا يسميوه من راسين دو اف parce que f de alpha égale à 0, ou هذا le alpha qui تطبق عليه الفي يبقى alpha. Donc هذا يسميوه le point fixe de phi. C'est bon? Donc تلقى le point fixe تاع phi ou تلقى la racine de f, c'est la même chose, c'est équivalent. Donc انت toujours في التمارين تقلع f de x égale à 0 ou خاصك تردها sous la forme x égale à phi de x. On va devoir se dire tu définis une suite هذه تسميها هنا k plus 1 وهذه تسميها k باش بدي تحسب x1 يقال في 2x0 x2 يقال في 2x1 هي رايحه الا كانت هاد لا سويت كونفيرجي فا كونفيرجي فيغ الفا اللي هي لو بوين فيكس دو في اللي هي لا سوليسيون دو f دو x يقال 0 اسكو ليدي هادي لي كلير
صح ومن بعد كاينه حاجه يسميوها لوغدغ دو لا ميثود لوغدغ سي كوا دونك هذا لوغدغ اون فالابلي ان سي ان انتي صحيح ان انتي ناتورال دونك يابارتيان ان اي تو صحيح لوغدغ سي كوا هاد لا فونكسيون في صحيح اذا كانت في بريم دو الفا تنعدم لوغدغ نحسبوا لا ديريفي سكوند اذا كانت مثلا لا ديريفي سكوند لا تنعدم نقولوا بلي لوغدغ سي 2 دونك لوغدغ سي كوا هو اول حاجه لا تنعدم هنا اسكو هادي سي كلار باغ جو نحسب لا ديريفي بروميير 0 ديريفي سكوند 0 او بوين الفا اللي هو لا راسين ولا لو بوين فيكس نحسب لا ديريفي 3 0 باغ جو نوصل لا ديريفي 4 هي الاولى اللي ما تنعدمش دونك لوغدغ سي كلار اسكو سي كلار او با صح هما واش ما عطاونا الفي الفي اللي عطاوها لنا دونك الفي اللي عطاوها لنا فيها ان بارامتر دبليو صحيح دونك ها هو ديال الفي اللي عطاوها لنا هادي هي الفي اللي عطاوها لنا صحيح فيها ان بارامتر دبليو وقالوا لنا تروفي هذا دبليو تل كو هاد الفي soit d'ordre 2. Ça veut dire quoi d'ordre 2? Ça veut dire que la dérivée première est égale à 0 ou la dérivée seconde est le point alpha soit différent de 0. Donc, là, on va se mettre là. Phi de alpha égale à alpha. On va x bel alpha. On va mettre w en facteur. On va mettre alpha 3 moins 2 en facteur. On va mettre alpha 3 moins 2 fois h égale à 0. Je vais faire w. Donc, qu'est-ce que nous avons? Il y a la quantité différente de 0. Alors, alpha 3 moins 2 égale à 0. Et ça veut dire que f de alpha égale à 0. Donc, là, je vais montrer ce que je vais montrer. F de alpha égale à 0. Équivalent à alpha égale phi de alpha. Je vais montrer ce que je vais montrer. اشكو راكم معايا وي وي صح دونك سي تو اي دونك ومن بعد شت فوق يكون دبليو فوق هادي تكون ديفيرون دو زيرو il faut que w soit différent de cette quantité اللي هي 3 الفا كاري sur 3 الفا كاري plus 1 la dernière fois واش درت قلت بلي 3 الفا كاري c'est une quantité positive وهنا 3 الفا كاري سي كونتيتي بوزيتيف نزيد لها واحد صافي دير كوا صافي دير كو هذه الفوقانيه اللي راها في البسط صغيره على المقام اي دونك بيسك البسط صغير على المقام صافي دير كو دبليو في هذا صغير على الواحد وراه بوزيتيف باسكو الفوق راه بوزيتيف وتحت راه بوزيتيف بيسك انا دبليو في خاصني يكون ديفيرون دو هاد لا هاد لا سوم ولا هاد الكسر صحيح دونك جو دو بيسك الفا je voulais dire voilà. Donc هذا le w ما خاصش يكون بين الصفر والواحد comme ça je suis sûr que le w ne va pas être égal à cette quantité est-ce que c'est clair هذه ولا لا oui ça هنا عاود في le nouveau corrigé j'ai fait autre chose le alpha هذا c'est quoi قلنا قلنا le alpha donc le alpha il vérifie quoi il vérifie f de alpha égale à 0 avec f de x est égal à x3 moins 2. Donc, il y a un gène qui est le majeur qui est l'alpha. Donc, on va le faire. F prime de x fois 3x carré qui est toujours positif. On va le faire. F de 1 fois f de 2 est égal à quoi? Donc, on va remplacer le 1 qui est 1 moins 2, donc gène moins 1. Fois f de 2, j'ai mis 8 moins 2, 6. Donc, c'est négatif. Donc, puisque f de 1 fois f de 2 négatif, la dérivée est positive, maintenant f est croissant, ça veut dire que alpha appartient à l'intervalle 1, 2. Donc, maintenant, c'est une meilleure méthode. Parce que là, je vais mettre l'alpha, il s'est mis le majeur 1, 2. Donc, je vais étudier la fonction h de alpha.
étudier le majal 1, 2, ou gagner les valeurs de W, je vais les supprimer. Donc, qui est l'étude, je mets la fonction T 3 sur 4, 12 sur 13. Donc, gagner l'intervalle 3 sur 4, 12 sur 13, je les élimine. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Vous êtes là. Oui. Qui va? Alors, c'est moi, monsieur, oui. Très bien. Alors, maintenant, la question. هذا الأوردر إحنا نهضر عليه مصباح يسير على كوا. دوك الأوردر هذا est-ce qu'il est important? C'est quoi l'أهمية تاعه؟ صحيح؟ دوك هذه نورمالمون تكون درتوها في الكور. دوك ما غاديش ندير لا ديمونستراسيون تاعها، مي الحاجة اللي خاصكم تعرفوها سي كو بلو الأوردر إي غران بلو لا ميثود et rapide. Donc, je vais que l'ordre est avec B. Je vais que la méthode TI, elle est rapide, mais je trouve la solution. Ça veut dire quoi, rapide? Ça veut dire que on fait moins d'itération. Ça y est? دونك حنا في المصلحه تاعنا يكون لورد تاعنا كبير ما هي في لا رياليتي دونك نجمو تسيوها في ليزيكزارسيس اللي ديجا درناهم كي تكون تابليكي هذه عندك باغ اكزومبل اف دو اكس ايغال ا زيرو وتردها من الشكل اكس اكس باردون ايت ايغال ا في دو اكس صحيح ومن بعد دير هنا ان بلس ان هنا ان وهنا كا بلس ان هنا كا اون جينيرال pas toujours, mais en général, phi prime de alpha, qui veut dire alpha la racine, va être différent de 0. Donc la méthode, en général, elle est d'ordre combien? Puisque la dérivée première est différente de 0. 1. Voilà, elle est d'ordre 1. Ça veut dire que la convergence, elle n'est pas très très rapide. C'est pour ça que la méthode de Newton. Est-ce que vous avez compris la méthode de Newton? Oui. Donc, méthode de Newton, c'est quoi? C'est x égale à phi de x, donc n plus 1 ou la k plus 1, n, avec... Alors, la méthode de Newton, phi de x, c'est quoi? X moins la racine, f de x à la f prime de x. Voilà, à la f prime de x. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Oui. Alors maintenant, si on calcule la dérivée première, donc tu peux aller si on dérive la dérivée première, dérive phi prime, donc phi prime de x, c'est quoi? Donc ça va donner 1 moins, donc dérivée de Hadi fois Hadi, donc c'est f prime au carré, donc f prime fois f prime de x, moins dérivée de Hadi fois Hadi, donc f seconde fois f sur donc on a f seconde de x sur f prime de x le tout au carré. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça. Et donc, si on calcule phi prime de alpha, ça va me donner quoi? Ça va me donner 1 moins f prime au carré de alpha moins f seconde de alpha f de alpha sur f prime de alpha le tout au carré. Est-ce que vous avez compris?